Et je vous connais bien, mes chers compatriotes. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vous montre juste ma PS5, tu vois, pour vous montrer ma ludothèque. Horizon Forbidden West, je peux pas y jouer sur ma Xbox. Ghostwire Tokyo, je peux pas y jouer sur ma Xbox. Gran Turismo 7, je peux pas y jouer sur ma Xbox. Stick Solid Racing, je peux y jouer, c'est vrai. Nickelodeon aussi, je pourrais y jouer sur ma Xbox. Sifu, lui, je peux pas y jouer sur ma Xbox. Final Fantasy 7 Remake, je peux pas y jouer sur ma Xbox. Assassin's Creed Odyssey, oui, je pourrais y jouer sur ma Xbox. Gravity Rush, et encore, je l'ai acheté sur la PS5, j'aurais pu l'acheter sur la Xbox. Gravity Rush Remastered, je peux pas y jouer sur la Xbox. C'est un jeu old gen, je vous l'accorde aussi. Ça, c'est ma bibliothèque de jeux. Du coup, j'ai Deathloop, je peux pas y jouer sur ma Xbox. Atelier Risa 2, je peux pas y jouer sur Xbox. Non, je peux pas y jouer sur Xbox, c'est pas sur Xbox. Demon's Souls, je peux pas y jouer sur Xbox. Marvel Spider-Man Miles Morales, je peux pas y jouer sur Xbox. Il doit me manquer une heure de jeu à tout péter. Je les ai jamais trouvés, c'est jamais terminé. Manifold Garden, ouais, ça je pourrais jouer. En fait, je joue pas à ce jeu, je sais pas pourquoi j'ai toujours installé. Ghostwire Tokyo, je peux pas y jouer sur Xbox. Kena, je peux pas y jouer sur Xbox. Beyond Two Souls, je crois que je peux pas y jouer sur Xbox. Bloodborne, on peut pas. Blue Reflection, je crois que je peux pas. Chorus, que j'ai sur PlayStation 4. Mais j'ai jamais réussi à télécharger la version PS5. J'ai un problème avec ce jeu. J'ai jamais pu avoir la version PS5. Du coup, j'ai jamais commencé à y jouer. Concrete Genie, excellent jeu. Je peux pas y jouer sur ma Xbox. Dreams, excellent, pareil, exclusif. Là, je peux. Days Gone, tu vois. Je peux pas y jouer sur ma Xbox. Erika, putain de jeu aussi que je dois terminer et que je peux pas jouer sur la Xbox. Fun Legion, je crois qu'ils sont pas sur Xbox. Galgun 2, il est pas sur Xbox. God of War, pas sur Xbox. Gran Turismo Sport, pas sur Xbox. D'ailleurs, je vais peut-être l'effacer parce que je joue à Gran Turismo 7. Gravity Rush 2, Gravity Rush Remastered, Guilty Gear, Hitman 2, je pourrais jouer sur Xbox. Hollow Knight aussi, Horizon, Iconoclash, je crois qu'il est pas sur Xbox. Judgment, il n'était pas pendant longtemps sur Xbox, maintenant il y est. Nier Replicant, j'ai vu qu'il est sur Xbox, mais je préfère jouer sur PS. One Shambara Origin, je suis pas sûr, mais je crois que je peux pas y jouer sur Xbox. Persona 5, il arrive, mais vous voyez, depuis le temps que j'ai sur ma PS4 depuis. Belle Lurette, Sakura War, je peux pas y jouer sur Xbox. Ratchet & Clank de la PS4, Shadow of Colossus, SNK Heroine, je crois qu'il n'est pas sur Xbox. Je crois qu'il n'est pas sur Xbox. Street Fighter 5 n'est pas sur Xbox. King of Fighters 15, il est sur Xbox par contre, lui. Je crois que les Legends of Heroes sont pas sur Xbox. Ce putain de WRC 10 en version PS4 qui m'énerve. Qui est pas sur Xbox. Oui, parce que je voulais la version PS5, mais je suis gouré quand je l'ai acheté. Et je peux pas me faire rembourser. Ça aussi, c'est nul du côté de celui. C'est dur de se faire rembourser des jeux. YS9, il est pas sur Xbox. Yakuza, par contre, ils sont sur Xbox, les deux. Là, c'est Yakuza Kiwami. Donc, c'est le premier Yakuza qui a été fait en remake. Et Yakuza 0 qui a été. Qui est nouveau, lui. Qui était nouveau et qui est une préquelle qui est sortie après. Il est sorti après Yakuza 6, si mes souvenirs sont bons. Yakuza 5, Yakuza 6, ouais, je crois que c'est ça. Et Warrior Orochi 4, il est possible qu'il soit sur Xbox, je ne me rappelle plus. Virtua Fighter 5, c'est sûr, il n'est pas sur Xbox par contre. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer concrètement mes deux consoles avec mes jeux. Enfin, après, il faudrait que je vous montre aussi ma Xbox Series X, c'est sûr. Mais et je vais le faire, tiens. Je vais le faire. Après ça, je vais faire une autre vidéo à quoi je joue sur ma Xbox Series X. Comme ça, vous aurez les trois consoles. Parce que j'ai deux Xbox en fait. En tout cas, je vous laisse. Je vous dis à tous les otaku. Ne vous battez pas trop dans les commentaires. Et à bientôt sur Otaku Game. Ciao, bye bye.